here. Il a fri, il a tout compris. What? Damn! J'espère que vous allez bien. C'est Résisteplay et je suis content de vous retrouver. Qu'est-ce que c'est que cette queue? Oh là là, un nouveau mode, regardez. Oh, avec le hype sur le dos. Oh, j'ai la hype. Oh oui. Oh, n'importe quoi. Et regardez-moi ça. Un nouveau mode. J'ai fait une petite mise à jour et hop là, regardez, on peut faire ce qu'on veut. Alors, c'est dégueulasse, mais écoutez, moi, je trouve pas ça beau, hein, franchement, je vais pas vous mentir, voilà. Je trouve pas ça beau, mais c'est marrant. C'est marrant, donc voilà, on peut mettre des petites oreilles. Oui, des fox, oui. Bah oui, allez, un dragon avec des oreilles de fox. Hop là, en bleu, on a dit. Voilà, bleu, ok. Violet, mais non, bleu, je t'ai dit. Oh. Et bleu, là, ici aussi, parce que j'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai les oreilles bleues, entièrement bleues, et c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, des ailes, allez, on va se mettre des petites ailes. Oui, de petites, parce que sinon, ça fait un peu trop. Comme ça, et parfait, en bleu, donne, voilà. Et c'est avec notre ordinateur sur la tête qu'on se retrouve dans une zone de rangement. Regardez-moi ça, c'est beau, non? Non? Eh ben, je me suis cassé le cul pour faire tout ça. Oui, 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 messieurs, je me suis cassé le cul. Mais bon, voilà, c'est fait. Et maintenant, tout est bien rangé. Mais ce n'est pas le plus beau, hein. Regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce que c'est que tous ces fils. Alors en fait, l'étage en dessous, comme j'ai vu que je m'en servais jamais, hein, faut pas... Oh, faut pas déconner. Je vais m'en servir pour mettre des câbles. Alors qu'est-ce que c'est que ces câbles? Oui, d'ailleurs, la mise à jour... Hein, oui, parce que je vous ai pas parlé de la mise à jour. Oh là là, mais je fais tout de travers. J'ai préparé l'épisode pendant des heures, bordel. C'est pas grave. Alors, je vais vous parler des mises à jour, là, tout de suite, maintenant. Comme ça, on sera fait. Mise à jour. Il y a des nouveaux... voilà, alors comme vous pouvez le voir, il y a un système d'XP. Donc, une fois que j'ai 30 XP, voilà, là, j'en ai 1 sur 30. Je clique dessus et ça me libère un slow. C'est assez sympathique, hein. Après, j'aurai 5 slows. Plus le slow de base, donc tout est nickel. Oui, bon, ça, on s'en fout. Après, au niveau des modes, et t'arrêtes de regarder où est ma souris, toi. Au niveau des modes, il y a plein de modes qui ont été rajoutés, genre Botania, genre Witchery, genre Tomcraft, enfin voilà, plein de modes assez complets qui ont été rajoutés. Des mises à jour aussi ont été faites. Par exemple, sur Magical Crops, que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai rajouté ça aussi. Ça me permet de courir plus vite en restant sur le bord. Et donc, regardez, la ferme à mob. C'est ça, hein, que je vous disais tout à l'heure. Il y a toujours le vent qui me pousse. La ferme à mob, ici, c'est... Non, mais dégage, arrête tes conneries, là. Voilà. Le coffre est vide. Ici... C'est vide. Et ça va directement dans le système de rangement. Comme ça, ça fait plus beau. C'est mieux rangé. Et tout le monde est content. Mais ça, je vais vous montrer tout à l'heure. D'abord, on va passer sur Magical Crops vite fait. Je dis pourquoi vite fait. Et les mots dans l'ordre, c'est un peu mieux. Je dis vite fait pourquoi. Parce que Magical Crops a subi une mise à jour qui fait que il y a beaucoup plus de seed. Donc ça va être beaucoup plus long. Et donc je vais pas passer des heures là-dessus. On fera un épisode entier peut-être là-dessus. Mais pour l'instant, je vais changer. Parce que vous mangez du Magical Crops depuis deux épisodes. Déjà, un troisième, ça fera trop. Je veux juste vous montrer, voilà, histoire que ce soit fait, on va prendre tout ça, hop, tout ça c'est des trucs que j'ai farmé, hein.
Et on va se faire nos weak infusions. Alors, les weak infusions maintenant perdent en durabilité. Alors, ça, par contre, ça risque d'être un peu chiant. Du coup, on va se faire nos weak infusions. Alors, comment on fait ça déjà? Je m'en rappelle plus. Non, c'est pas ça, c'est comme ça. Voilà. Ok. Alors. Donc ça, c'est pour faire la Weak Infusion Stone. Après, à partir de la Weak Infusion Stone, avec les Nature Essence, voilà, on a des Regular Infusion Stone. Et là, il va falloir, pour avoir la Strong Infusion, il va falloir de la Redstone Seed que j'ai. Donc au moins, on va pouvoir se faire celle-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai pris les Munitions Essence, en soi, j'en ai pas besoin. C'est pas pour ça que j'en ai besoin. C'est pour après. Donc pour l'instant, on va laisser là. Aïe, aïe. Ah oui, alors nouvelle mise à jour aussi. Bah, il va falloir tout que je réagence. Parce que je ne peux plus passer au milieu sans me faire mal. Aïe, 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 ça pique. Voilà, donc je vais devoir tout changer de façon à ce que ça ne me pique pas et j'ai plus d'essence. D'accord. Bon, bah, on va aller en chercher. Alors la redstone, c'est ici. Oui, bah. 2, 4, il va m'en falloir 8. Donc hop hop hop. En poste. On replante la redstone. Aïe aïe aïe, évidemment, ça me pique. Voilà, hein, donc c'est presque impossible d'aller jusque là-bas pour aller planter et tout ça, c'est le bordel. Donc il va falloir tout que je rechange. C'est pas très grave en soi. On se fait notre. C'est pas comme ça? Oh, me dis pas que. Non, t'es pas sérieux là. Il va falloir une de chaque? Non. Oh putain de bordel de merde. Bon, c'était pas prévu, hein. Normalement, ça devait passer directement. Ah ouais, quand même. Attendez, attendez, attendez. Que je fasse pas de conneries. Donc ça, c'est la strong infusion, hein. On est d'accord. Strong infusion. Ah non, mais c'est bon, extrême infusion. Il va falloir de la glowstone seed, obsidienne, une nether star. What? Unstable ingot. Ok. Bon, ben, je suis pas dans la merde. En fait, on va pas passer dessus maintenant. Voilà, c'était le début de l'épisode du fail, du gros fail. Je pensais pas qu'il fallait faire tout ça, mais bon, bah tant pis, c'est pas grave, on va passer ailleurs. On s'écarte! Dégage, Magical Crops! Oust! Je veux plus te voir! Bon. Alors, je vais vous montrer un peu ces tuyaux parce que vous demandez depuis le début de l'épisode, hein, vous êtes impatient de savoir, mais qu'est-ce que ces tuyaux, hein? Qu'est-ce que vous avez là? Et pourquoi c'est pas les mêmes que là-bas? Pourquoi on n'a pas ça? Non. Eh bah, ben. Tout simplement parce que les transfert nodes, ça m'a cassé les couilles, mais à un point, vous imaginez même pas. Du coup, j'ai voulu essayer un peu d'autres pipes. Et j'ai trouvé ceux-là qui m'ont l'air intéressants. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que on peut mettre les items ici. On peut mettre les liquides sur le même emplacement. Et l'énergie sur le même emplacement. Du coup, ça permet de gagner une place énorme! Et ce qui est vraiment pratique. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça. C'est pas là, c'est ici. Voilà. Il va me falloir de la clé. Pourquoi de la clé? Ben, tout simplement parce que déjà, toi, tu dégages. On va te dégager après. Voilà. Alors, pour faire un item conduit, il va me falloir des conduits binder. Et du pulsating iron nuggets. Les conduits binder, ça se fait avec du binder composite qu'on fait chauffer. Et binder composite, ça se fait avec 6 graviers, 2 sables et une clé. Je vais vous montrer ça. Hop. 6 graviers. Voilà. 2 sables. Touk, touk, touk. Et une clé pour en faire 8. Et bon, j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà fait chauffer. Une fois qu'on fait chauffer, ça nous donne des conduits. Bah, d'ailleurs, je vais refaire chauffer comme ça, je vais vous le prouver. Parce que les gens ici ont tendance à ne pas me croire. Je ne dirai pas qui.
Ta 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 ta. Ensuite, avec ces conduits binder, je vais en avoir besoin de beaucoup. C'est pour ça que j'en ai bien fait chauffer. Donc, c'est lesquels? Underfluid, on s'en fout. D'ailleurs, en soi, pourquoi Underfluid? Ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fout de ça. C'est lequel? C'est pas lui, c'est lui. Voilà, item conduite. Avec ces conduits binder, il va me falloir des pulsating nuggets. Donc vous voyez, hein, ça a fait 4. En fait, ça en fait. Combien ça en fait déjà? Je sais même plus. Voilà, 4 l'unité. Donc là, j'en ai 12. Il y en a 3 qui a cuit. Et oui, je sais calculer. Et oui. Alors, les pulsating lingots, j'en ai ici. Ah oui, il va falloir que je vous montre ça aussi. Bon, je vais en prendre qu'un seul pour l'instant. Parce que ça me sert à rien sinon. Voilà. Pulsating Lingo. Qui ici se loot dans les loot bags. Hein. Ici, voilà. Grâce à la farm de mobs, j'ai eu plein de pulsating lingots. Enfin plein, tout est relatif. Hein, 26. Et grâce à ça, je peux faire hop, des pulsating iron nuggets. Qui vont me permettre de faire 8 items. Et évidemment, comme je suis pas à ça près. Merde. Voilà, on va s'en faire pas mal. Donc ça m'en fait 40. Ça ne sert à rien pour l'instant, mais c'est déjà bien. Hop, on récupère ça. Et ensuite. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on place tout. J'ai fabriqué le Crescent Hammer. Pourquoi Crescent Hammer? D'ailleurs, c'est pas comme ça. À chaque fois, je me trompe. Donc, 3 iron et un tin lingot. Alors, à quoi ça sert? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça sert à manipuler tous ces tuyaux. Parce que vous voyez, c'est assez compliqué. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait aller par là, là-haut. Là, j'ai refait descendre. Alors que j'aurais pu très bien faire tout coller les uns aux autres, mais c'est un peu plus compliqué puisque après les objets ne se rangent pas correctement et les surplus viennent, enfin c'est assez chiant au niveau du coffre de surplus ici là. Donc ça ne me sert donc en fait en faisant un clic droit, hop, je fais disparaître le tuyau, tout simplement, je fais réapparaître ici par exemple, si je fais ici, et eh ben hop, il réapparaît ici et hop, il disparaît. Ça me permet aussi de changer. Merde. Fuck. Voilà. De changer le sens de circulation. Donc là, il va et il s'en va. D'ailleurs. Non, tant que je ne l'ai pas activé, c'est bon. Oh, un petit zombie. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai deux barres aussi. C'est les mises à jour qui font ça. Ouh, c'est un peu fort le son. C'est moi où j'ai encore entendu un zombie? Non, quand même pas. Donc, je disais, là, ça fait et l'aller et le retour. Hein, si je, pour l'instant, je m'en servirai pas, mais ça peut servir. Là, c'est l'objet qui part du coffre pour aller ailleurs. Et là, c'est l'objet qui part du coffre, qui part du coffre là-bas pour rentrer ici. Vous n'avez pas besoin forcément du Crescent Hammer. Hein, pour changer les tuyaux, ça oui, mais ici, juste un clic droit au niveau du socle. Et ici, vous voyez, insert. Donc, vous pouvez mettre la quantité, enfin la priorité, pardon. Donc, par exemple, si vous faites tout le chemin, vous pouvez faire une sorte de priorité, mais c'est un peu plus long que ce que je viens de faire. Donc, on va pas se casser le cul, j'ai fait comme ça. Ici, vous pouvez mettre un channel. Ça, c'est par rapport à l'ordre d'envoi. Par exemple, si je continue au niveau des tuyaux, je continue tout le chemin ici, que je mets tous ces tuyaux jusqu'ici en channel vert et que je mets le channel vert ici, bah, et que ici, tout le reste des tuyaux, je mets channel rouge, les objets n'iront pas dans le reste des tuyaux. Ils resteront dans ceux-là et ça fera un rangement correct. Ça permet ensuite de brancher tout le reste sans me soucier, sans avoir peur que ça divague et que ça foute le bordel dans tout le reste. Et donc voilà, une fois qu'on a ça, par contre,
Je vais vous montrer là-bas directement parce que pour envoyer les objets, c'est un peu plus... Enfin, c'est un autre système encore. Donc, tout ça, c'est pour couvrir la lumière à l'intérieur. Hein. Évidemment, je peux faire des étages. Je ferai peut-être des étages histoire d'optimiser tout ça. Mais voilà. Alors, en mode extract, vous avez donc l'extract channel vert, hein, comme je vous ai dit. Vous avez la le redstone mode. Si je voilà. Si je mets jamais activé, il sera jamais activé. Peu importe si je mets de la redstone ou pas autour. Enfin voilà, si par exemple c'est un, je sais pas, un trapède chest et que je l'ouvre, les objets ne partiront pas. Par contre, si je mets tout le temps activé ici, ben, les objets ils partiront, hein, tout simplement. Si je mets active with signal, ils partiront s'il y a un signal. Et si je mets active without signal, s'il n'y a pas de signal, donc s'il n'y a pas de redstone autour, les objets s'en vont. Donc ça permet ainsi de bloquer les objets à tel moment et tout ça. On peut tout bloquer à distance si je veux plus que les objets viennent dans les coffres là-bas, s'ils sont remplis ou quoi. Donc voilà, tout simplement, hein, c'est pas compliqué. Vous apprendrez ça assez rapidement et c'est assez facile. Alors le rangement. Maintenant, on va voir un peu tout ça. Pourquoi, comment j'ai fait tout ce rangement. Eh bien, j'ai utilisé les Better Barrels. Les Better Barrels qui sont faits avec de l'OAK. Il faut que ce soit le même, hein, je crois. Hein. Il me semble qu'il faut que ce soit le même pour que ça marche. Parce que j'avais essayé avec de l'OAK et du, comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus. Ah tiens, pourquoi ça marche pas? Ah, ça a encore bugué! Ça a bugué plus depuis la mise à jour. Bon, ben, j'avais pas vu. Tant pis. Écoutez, la fiche en haut, ça buguait plus, ça rebug, c'est pas grave. Voilà, du rubberwood. Bon, par contre, on est obligé de les récupérer par sac, c'est un peu dommage. Alors, donc on a dit, hop, le même bois, un coffre et une slab. Pour faire un better barrel. Le better barrel, hein, c'est ça. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, il y a des locks. Et ici, il n'y en a pas. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Hein. Les locks, en fait, vous faites juste un sneak, clic droit, et ça lock ou pas. Si je lock, par exemple, celui-là. Si je lock et que je prends tous les objets qu'il y a à l'intérieur. Ça fait 0 et ça reste. Je repose. Si je ne lock pas mais que je récupère tous les objets, hop, il n'y a plus rien sur le better barrel. Et du coup, bah par exemple, si je le fais ici, il n'y aura plus, par exemple, de bâtons ici. Voilà, il n'y aura plus de bâtons. Et les autres objets que je looterai dans la ferme à mob iront se positionner tout seuls dans celui-là et ça foutra encore le bordel. Donc, vaut mieux loquer les objets, hein, voilà, comme ça. Enfin, les better barrels. Comme ça, il n'y aura aucun souci là-dessus. Et ben voilà, on a tout vu au niveau du rangement. Hein. Maintenant, j'aimerais automatiser quelques trucs, deux, trois trucs, hein, histoire de. Parce que au niveau des quêtes, comme vous pouvez le voir, hop, non, on n'a pas 100% complete, c'est pas vrai, faut que tu arrêtes de mentir. On n'a que ça. C'est encore Magical Crops. Comme je vous ai dit, on va faire une pause, mais j'aimerais quand même faire le lily pad, histoire de compléter cette quête qui est pour moi inutile. Hein. Donc bah, on va la faire, hein, on va écouter, on va la faire, voilà. Mais avant ça, j'aimerais automatiser la lave, parce que depuis le début, j'arrête pas de chercher de la lave et c'est long et c'est chiant et à chaque fois il m'en manque, il faut que tout que je remplisse hors épisode. Donc voilà, c'est un peu casse-cou. C'était quoi cette synchro les gars? Calmez-vous. Ne prenez pas la grosse tête. Ouais. Alors, ce mec sans transition, il repasse. Hop, je récupère ça parce que j'en ai plus besoin. Et je vais remplacer donc le lavatank, qu'on va le mettre là-bas par exemple.
Je vais le remplacer parce que comme vous pouvez le voir, ben non, vous pouvez pas le voir puisque ça bug encore. Bordel, pourquoi ça bug? Enfin, bref. Le tank fait 16 000 millibuckets. Ce qui est beaucoup, mais pas assez. Ça ne me suffit pas. Et donc, je voudrais faire... Hop, hop, hop. Un drum. Pourquoi un drum? Witchery Breakfast Drum. Ah non, c'est pas ça. Merde, il est où le drum qu'il me faut? Moltem, non, mais je m'en fous de l'aluminium. Eh, dis donc. Ah oui, bah voilà, tout simplement. Alors, le drum, ça se fait avec 6 lingots, un chaudron et des pressure plates en fer. Ok, donc c'est masse fer. Hein. On va faire tout ça. Et vous verrez, je vais vous montrer combien il y a de disponibles. Ah non, ça c'est l'électrique acide, ouais, c'est pas la même chose. Vous voyez, j'ai masse fer, ça commence vraiment à venir. Alors on va faire un chaudron. Je sais pas pourquoi j'en ai pris autant d'ailleurs, il n'y a pas besoin. Hop. Des pressure plates. Deux si je me souviens bien. Et juste, j'aimerais essayer un truc, voilà. Ça ne marche pas. Tant pis. J'espérais pouvoir prendre directement l'objet, mais non. Mais non. Ça ne marche pas chez moi. Et nous avons un drum. C'est génial, mais à quoi ça va servir? Eh bien, on va pouvoir le remplir de lave. En le posant ici. Bah, vas-y, remplis-toi. Allez, fais pas ton kéké, remplis-toi. Non, je déconne, hein. Il va falloir encore un autre item de Under.io encore. Donc cette fois-ci, c'est pas l'item conduit, mais l'item conduit, pardon, mais le fluide conduit. Et pour faire le fluide conduit, hop, on regarde ça. Fluide conduit, pas du tout. Donc c'est pas fluide conduit, c'est autre chose. Vous me cassez les couilles à me à faire en sorte que j'ai tort, hein. Ah, voilà, fluide conduit, on est d'accord. Il va me falloir des conduits de binder, hein, ça je vous ai montré comment on fait, c'était facile. Rien de très casse-couille. Et du coup, quiet, clear, glass, donc de la vitre propre et tranquille. Ok. Et pour faire ça, bah, y a rien de plus compliqué. De plus compliqué, bah oui, bien sûr. Rien de plus simple. Vous prenez chisel. Je vous avais montré, hein, souvenez-vous. Vous faites un clic droit. Vous mettez votre glace. Et regardez-moi ça, c'est ici. Parfait. Et une fois qu'on a fait ça, bon, j'ai déjà quelques trucs, c'était pour les essais, hein, il n'y a pas rien de dramatique. Hop, j'en ai beaucoup en fait. Hop, j'en ai pas besoin de temps, mais c'est pour vous montrer. Hein. Voilà, fluide conduit. Alors c'est un peu long, hein, je vous l'accorde. Max extract 50 millibuckets par seconde, ou par T, je sais pas, enfin bref. Maxio 200 millibuckets, mais ça suffira pour là où je vais le placer. De toute façon, ça se vide plus vite que ça se remplit, donc il n'y a pas de souci à se faire. Si je pose ça ici et ici, voilà. En plus, c'est bien transparent, les fluides, c'est super beau. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, je vois pas, bah, c'est dommage. C'était plus beau quand on voyait. Et maintenant. On va se servir de la Crescent Hammer pour faire extract. On désactive le redstone. Et regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. C'est pas magnifique un peu? Vous voyez la lave qui coule le long de la pipe. Y a un petit trou ici. Hein, qu'est-ce que c'est que ce pixel de merde? Ah, c'est parce que ça se réduit. Et une fois que il n'y a plus de lave là-bas, eh ben ça finit, ça s'arrête de couler. Et en fait, ben non, ça s'arrête pas vraiment de couler. Parce que si vous voyez, là, il y a 7700 millibuckets sur 256 000, comparé à 16 000 dans le tank. Hein. Il n'y a pas photo. Mais taisez-vous, je parle!
Donc il n'y a pas photo, hein. Et comme vous pouvez le voir, ça continue à monter à chaque fois que la cobblestone fond. Donc bah ici, on a une production de lave relativement infinie, en fait, hein, tout simplement. Ça va être très long à mettre 256 000, hein, il ne faut pas déconner, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin de beaucoup. Si jamais un jour j'en aurai besoin de beaucoup, j'agrandirai, je ferai d'autres crucibles, je crois que ça s'appelle, hein, et on agrandira tout ça. Eh bien voilà, hein, je vous ai montré la majeure partie de ce que je voulais vous montrer. L'autofeeder, je ne sais plus si je vous avais montré. Donc ça permet, en fait, je vous réexplique au cas où, hein, ça permet de mettre de la viande ou n'importe quelle nourriture à l'intérieur. Et à chaque fois qu'on s'approche, hop, ça remplit le truc de nourriture. Rien de compliqué, c'est génial, tout simplement. Et après, j'améliorerai tout ça avec encore les items conduits. Et je ferai une ferme, enfin une usine à poulet. Une usine basique, hein, de Minecraft de base. Pas besoin de faire des usines super complexes. Les usines basiques sont aussi très efficaces. Et comme vous pouvez le voir, j'ai reçu assez d'animaux pour avoir ma collection. Voilà. J'ai même eu des animaux un peu bizarres, mais ils sont morts. Donc bon, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc plus tard, j'hésite de le faire en caméra parce que ça risque d'être long et c'est du Minecraft de base. Donc je le ferai peut-être hors caméra, je vous expliquerai en vif comment ça marche. Et une fois que j'aurai fait l'usine à poulet, je le ferai directement aller dans l'autofeeder, histoire qu'il se remplisse tout seul. Et qu'à chaque fois que je passe à côté, je sois nourri tout ça indéfiniment. Tiens, d'ailleurs, je pense à un truc. Tant que j'ai ça, j'ai du fluide conduct, ça peut être sympa de faire ça. Hop. Insert. Hop. Extract. Voilà. Ça peut être sympa aussi, hein. Comme ça, une fois que je fais fondre, ça se remplit automatiquement et ça ne se videra jamais. Ça se videra en même temps que les tanks, mais une fois que j'aurai les drums, ça ira beaucoup. Enfin, ça durera beaucoup plus longtemps, il n'y a pas photo. Donc, on a vu tout ça. Je vais vite fait voir le fertiliseur, histoire 2. Comme c'est pas très important, je le fais pas à part. Je le fais dans cet épisode vite fait. Parce que personnellement, j'ai toujours pas trouvé à quoi ça servait. Donc, on va faire le Lilypad. Voilà. Il y aura plein de trucs. Bah, c'est plutôt un épisode découverte des nouveaux modes. Mais on continuera le reste plus tard. Je ferai tout en caméra aussi parce que vous voulez voir des trucs faits. Vous voulez pas que je vous explique à chaque fois ce que j'ai fait hors caméra. Ça sera un épisode exceptionnel aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît quand même, hein. En attendant, je peux quand même écrire et faire. parce que vous attendez tranquille. Mais rien ne se passe sur l'écran. Oh là là, c'est quoi ces trucs? Encore des trucs différents, bizarres. Qui n'y étaient pas avant. Ah! Oh là là. Ah non, ça n'a pas changé, c'est ça. Non, si, ça a changé. Oh, t'es sérieux? D'accord, avec l'arrivée de Botania, le craft a changé. Donc je m'étais tout préparé, un petit truc et tout. Mais non, rien, rien du tout. oh putain. Oh là là, t'es sérieux? Bon, je vais en faire un seul, hein. Est-ce que j'ai des lilypads déjà? Oh, c'est facile à faire. Nature essence, 1, 2, ouais, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magical fertiliseur, un diamant, 3 minitiaux et de la bonne mille. Allez, on va chercher tout ça. De la bonne mille, j'en ai là. Ah oui, bah oui, je vous ai pas dit ça. Le Crescent Hammer, ça permet aussi de changer de côté les coffres. Hein. C'est sympathique, mais ça ne sert pas à grand-chose non plus. Alors, deux à bonne mille, j'en ai en grosse quantité. Hop. Il y a un creeper qui m'attend là-bas. Mais tu ne peux pas passer, sois pas deg. Meurs! Je m'en fous de la Gunpowder. J'en ai trop. Alors, on avait dit. Hop.
Des munitions essence, du diamant. Bon, j'en ai ici parce que j'avais préparé un peu pour faire les graines, mais voilà, du diamant. Et donc, comment on fait ça? Tuk, 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 tuk. Hop, et je crois pas que c'est comme ça. Hein. À chaque fois, je fais le sens. Ouais, voilà, c'est pas le. C'est pas ce sens-là. J'arrive pas avec les sens. Hein, c'est un truc de fou. Hop. Voilà. Et évidemment, il m'en faut 4. Hein. Donc, ouais, putain, merde. Oh, merde. Mon diams, j'en ai pas beaucoup. Arrêtez. Donc, hop. Oh, putain, on peut faire des diams. Ah ouais, c'est sympa ça, James Nuggets. Ok. Donc hop, voilà, on a nos 4. Ensuite, Floral Fertilizer, il faut 1, 2, 3, 4. N'importe lesquels, je suppose. Oui. Ah, comment on fait ça? Ah non, mais c'est bon, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin que ce soit. Enfin, du colorant, ça suffit. Par contre, c'est que du rose. Et du dandelion, donc deux dandelions, deux roses. Le rose c'est. What? Attends, 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 t'es pas sérieux là? On va faire ça autrement. Donc 1, 2. Ok, ça c'est cool, je m'en fous. Allez. Hop, il m'en manque un. Fuck! Ah oui, bah voilà, c'est bon, je l'ai. C'est pas beau, j'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Coton seed! Oh, pas mal! Coton seed. Ah non, c'est vraiment bien. Belladonna seed. Ah! C'est vraiment pas mal ce que j'ai reçu. Et ça, c'est quoi? Barley seed. Sympathique. Enfin bref, c'est pas le sujet pour l'instant. Ah, ça, c'était pour faire la glowstone seed. Alors, on avait dit, hop, deux roses et deux dandelions. J'ai pas la place, t'es sérieux là? Mais si, j'ai la place. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Ensuite, on avait dit hop, hop, hop. Non, c'était pas celui-là, évidemment. Une bonne mille, ok. Alors, une bonne mille comme ça. Oh putain, j'ai pas accès. Ah, c'est un peu chiant ce mode en fait. C'est un peu casse-couille. Voilà. Comme ça, je crois, et non, c'est comme ça et comme ça. Ah, mais n'importe comment en fait, on peut le. Ouais, ok. Ah, bah oui, évidemment, j'en ai qu'un. Je fais vraiment tout de travers. Hein. Bon, allez, c'est pas grave, on va faire pousser. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Il faudra que je pense à remettre la lumière, sinon je vais être dans la merde. Mais va-t'en! 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 Du coup, je vais jeter quelque chose parce que ça me casse les couilles. Mandrexide, donc Witchery. Ça, j'en ai pas besoin. Je vais juste récupérer ça. Voilà. J'en ai deux. Ça ne suffit pas. Il m'en faut encore. Enfin, il m'en faut pas mal quand même. Du riz. Ouais, si tu veux. Là, encore un là. Il y a plein de trucs qui arrivent, mais bon, je sais pas ce que c'est. Donc. Hop, encore un ici. Là, il y en a plein, oui. J'en ai combien maintenant? J'en ai 8, ça devrait le faire. Donc, hop, hop. Et jaune, on va tout mettre. Voilà. Hop.
Voilà, et on avait dit la bonne mille. Pour en faire 4, j'en ai fait un en plus, c'est pas très grave. Ensuite, le lipipad comme ça. Et ah bah oui, j'ai pas le lipipad évidemment. Ah! Merde, 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 merde. Aïe, 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 aïe! C'est vrai que j'avais plus de seed parce que à cause des mises à jour, ça m'avait tout effacé. Ah non, je crois que j'avais tout refait ici, là. Je crois que j'en avais trouvé. Enfin, j'en avais mis 24, 64 de côté. Dans un des coffres ici. Ah, 64! Oui, bon, c'est bon, vas-y. Oui, c'était un stack que j'avais fait de côté pour la vidéo parce que bah, ça m'avait gavé que. Parce qu'en fait, quand j'ai mis toutes les mises à jour, bah, tout Magical Crops a crashé et toutes les seeds, j'ai dû les refaire. Alors évidemment que j'ai pas tout refait à la main. J'ai triché parce que oui, bah oui, ça m'a gavé. Déjà que c'était très long de faire à la main. J'allais pas en plus le refaire. Donc, on avait dit. Hop. Essence, c'était un truc genre comme ça. Oui, c'était comme ça. Et ensuite, le lilypad, hop. Donc, hop. Les Magical Fertilizer. Les Floral Fertilizer. Je sais pas à quoi ça sert, hein, tout ça, mais on verra bien plus tard. Et ça nous fait notre Lilypad of Fertility. Et je sais pas à quoi ça sert, mais je vais aller le planter. Et ça sera, on va finir. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu me suis au juste? Vilain Wolf! Vilain! C'est pas ton nom, mais vilain quand même! Putain, vas-y, saute! Barre-toi! T'as de la chance, j'allais te pousser dans le vide. Mec, aucun respect, quoi. What the fuck? C'est moi où il y avait un corbeau ou un truc comme ça, non? C'est toi qui as fait ce bruit? Fuck? J'ai pas compris ce qui s'était passé. Ok. Oh mon dieu, n'importe quoi le truc. Oh putain, j'ai plus rien, j'ai plus aucun. Ça va être chiant ça. Ouais, bon, je vais poser tout ça parce que ça va me gaver, vite fait. Non, ça je le garde. Hop. Je rangerai tout plus tard, hors épisode. De toute façon, je fais tout le temps ça à chaque fois. Tout ça, j'ai pas besoin. Allez, voilà. Évidemment, ça je vais le récupérer parce que ça a rien à traîner. Ça a rien à faire là. Et donc, on va chercher des blocs, des blocs, des blocs. Ouais, c'est pas mal ça. On s'en fout de toute façon. Voilà. On prend, hop, de l'eau. Voilà. Et on descend en bas parce que sinon ça va être le bordel. Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout? Ça, c'est une grande question aussi. Hein. Ah oui, non, c'est beaucoup trop loin. Wow, ah oui, quand même. Fuck. Le truc, c'est que je sais même pas à quoi ça sert, alors on va pas se casser le cul. Voilà. Pour voir si ça marche, si ça sert à quelque chose, mais je ne crois pas. On va casser. Ça, on va casser le tank. Voilà. Et on. Aïe, 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 aïe. Oh. On met le bucket ici. Et c'est pas celui-là. Le lily pad of fertilizer ici. Et est-ce que ça fait quelque chose? On va récolter ça. On va voir si ça va plus vite ou pas.
Je ne sais pas ça, ben ça, voilà, comme à chaque fois, comme à chaque essai, ben je ne vois pas du tout à quoi ça peut servir, c'est pas grave. En tout cas, ben j'espère que cet épisode vous a quand même plu. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Oh là là. En fait, l'épisode, il est déjà trop long. Donc, ben, je vous montrerai ça la prochaine fois. C'est les Turtles, voilà. Donc, Computer Craft. Et ben, je vous montrerai ça la prochaine fois. Hein. C'est pas grave, on a tout notre temps, non? Hein, vous n'êtes pas pressé quand même. Mais j'avais mis mon chapeau pour l'occasion, c'est pas grave, tant pis. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à partager. Bye bye!